Bonjour à tous et bienvenue sur Instagram. Aujourd'hui, nous sommes dans Black Custo et je suis avec ma chérie, je suis avec Kiou. Ça va? Oh my god, je suis pas trop verte. Oh, c'est sublime. Mais le seul problème en fait, c'est que je vois rien. Ah, c'est con. C'est con la vie. Je vais peut-être devoir enlever. Enlève un petit peu. Donc ce n'était que, que moi. Je sais pas, un peu quand même. Ouais. C'était mieux avant en fait. D'accord. Elle est trop mauvaise cette fille. Hein. Non, donc en fait aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter des défis à faire pour Halloween, pour effrayer ou pas vos un amis. Un petit peu. Donc tu commences ou je commence pour le défi? Je vais peut-être commencer moi, ça te dérange pas trop. Ok, allez, les invités d'abord. C'est parti. Je remets le masque ou pas? Remets le masque, ouais. Très bien. Oh, quoique non, parce qu'on verra pas ton visage. Ok. Avec ta belle frange. Oh my god. J'ai un cadeau pour toi. Non, mais... Alors les mains, tu les mets comme ça, parce que c'est un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? C'était mon cadeau pour toi. Oh, elle se mange, alors regarde. Elle va goûter une pâte. Ah non! On va goûter une pâte, c'est la très pauvre bon. Bête. C'est plein de calcium. Tu sais pas ça? Regarde, elle est belle. Ah. C'est Fernande, elle est morte. Alors là, je suis Fernande. Oui, alors je sais pas ce que vous pensez de Fernande. Oh, elle met la colle sur la tête. Oh, ça me dégoûte, Laura. Regarde les yeux rouges, ça prouve qu'elle est morte. Ouais, t'as vu ta tête toi aussi? Oui, t'es morte aussi. Ouais. Non, mais bon, en fait, c'était. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait cette Amy, vidéo. Amy, je t'aime. Elle est folle. Bon, bah, vous, Laurent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Fernande, j'ose même pas la toucher. Je trouve ça tellement répugnant. Et puis maintenant, c'est à mon tour. Tu as confiance en moi? Jamais. Ah ça, c'est ça. Ça commence mal. C'est le problème. Donc tu sais quoi, moi c'est le test. En fait, je me suis dit, pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le faire, de faire un test culinaire. Tu sais que j'ai fait un BTS diététique. Ouais. Donc je suis censée bien cuisiner. Oula, attends. T'as perdu du poids. C'est pas pour autant que tu sais bien cuisiner. Justement, peut-être que tu crevais la dalle. Et que t'as perdu du poids comme ça. Alors en fait, l'idée c'est que je vais te. En fait, tu vas pas regarder. D'accord. Et en fait, tu vas me dire si tu sais, tu peux mettre les doigts dedans. On va voir si tu me fais confiance. Ah, c'est comme ça que tu manges ta nourriture, toi. Oui, mais c'est pris pour un avatar. On a Halloween, t'es un vampire. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, attends, je pars. Ferme les yeux longtemps. Non, ferme pas les yeux longtemps. Attends, bouge pas. Regarde pas, hein. Non. Alors, la première étape, c'est déjà que tu mettes la main dedans. Ça sent bon, hein. Attends, tu veux que je t'aide? Attends, voilà. Franchement, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça répugnant ou pas. Alors, déjà, Laura a un peu de mal. Bon, c'est juste un bol, hein. Oh, bah ça va! Ouais, oui, complet. Tu pourras même le boire, je pense. Alors, déjà, il faut essayer de deviner la texture. Comment ça est? Ça te dirait du vomi. Mais non, je suis pas malade. Alors? Ah, t'as déjà chopé un truc, toi. On dirait la moitié de ma lentille de contact. Bon, ça fait des bruits. Alors, ça te fait penser à quoi? Alors, je n'ai pas mis de latex, hein, je ne l'ai pas fait ce coup-là. Ah non. Ouais, non. Donc du coup, ce qu'on va faire ça maintenant, c'est miel. Que... Ah, peut-être. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'elle va regarder. On va voir sa tête qu'elle va regarder. On va voir après si elle va aller jusqu'au bout et manger. Donc n'hésitez pas à nous... Donc tu peux regarder le... Ah, j'ai pris quoi dans la main? Bah justement, c'est on ça. On dirait des rognons. C'est dégueu. Ah. On n'est pas loin. Tu veux goûter maintenant ou pas? Non. Tu penses que c'est quoi déjà? Je sais pas. N'hésitez c'est... pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Que c'est des pétales de rose? Non. 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 Je sais pas, mais ça donne pas confiance. Hein. Vas-y. Attends, mais je sais pas ce que c'est. Mais elle est même pas écœurée. Et moi, franchement, je vois ça, mais j'y touche même pas. Bah. Même si c'est Laura qui l'a fait. Eh, regarde, celui-là. Si tu fais un petit montage, un peu sympa. On dirait des fesses. C'est marrant. Pardon. C'est... Ça sent pas bon. Allez, vas-y, goûte. Et franchement, je dois saluer son courage parce que j'avoue, je le ferais peut-être pas. Allez! Et là, tu dois te dire si c'est bon ou pas. Non, franchement, ça va, l'eau, t'abuses. C'est trop bon. Non, sérieux. Mais je suis sûre que c'est bon. Alors, mais je sais pas ce que c'est. Le premier ingrédient, c'est du miel. Parce que pour faire du poisson, c'est très simple. En fait, vous prenez du miel et du colorant alimentaire rouge et vous mélangez les deux. Si vous voulez qu'il soit un petit peu moins...
on va dire liquide, hein. Vous ajoutez en fait soit de la poudre. J'ai des spasmes maintenant. C'est bien ton truc. Soit de la poudre de cacao, soit du café. Et l'idée de ça, en fait, c'était pour faire, vous savez, comme le cartilage des oreilles. Ah bah oui, c'est cartilage. Comme si j'étais allée à la morgue et que j'avais coupé. Ouais, des petits bouts de quelqu'un. Ouais, voilà. C'est bien. Ouais. Voilà. Et oh non, mais c'est quoi? Bah justement, c'est ça la question. Alors ça, c'est le vote. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'est? Attends, c'est des bonbons. Bon non, j'allais pas abîmer des bonbons quand même. Bah je sais pas. T'allais pas abîmer des bonbons, d'accord. Mais par contre, crever un mort, non, y a pas de problème. Ok. Je sais pas, mais c'est quoi? Alors en fait... C'est des céréales? Non. Non, c'est pas des céréales, mais je pense que vous pouvez aussi le faire avec des céréales. En fait, ce sont des pâtes. Ça s'appelle des orechas. Mais oui, purée, c'est pour ça qu'il y avait un petit bout de pâte avec voilà. Le miel et donc, le reste. Donc finalement, c'est mangeable, ça, tu vois. Oui, c'est mangeable. D'ailleurs, hop. Ah non, non, c'est quoi ça? Ah, ça en fait, c'est des dentiers. Et tu sais qui c'est qui a fait ça? Ah, mais c'est pas mal! C'est Marie qui a fait ça. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir comment Marie a fait ses dentiers, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo ou aller sur le blog rosecarpet.fr. Vas-y, goûte, on va voir. Voilà. En fait, elle fait tous les tests de cuisine, quoi. Vas-y, goûte. C'est un peu... Je sais pas comment ça se mange déjà, ce truc. Je sais pas, vas-y, teste. 1, 2... Alors, c'est bon ou pas? Bon, je vous dis pas il y a quoi dedans, mais franchement, c'est super bon. Alors? Marie! Tu crains? Bon, ça c'est... En fait, cette fille est très mauvaise. Non, n'empêche, c'est meilleur ton plat que celui d'Emmy. Bon, non, voilà, bon. Donc ça va être coupé parce qu'elle est trop mauvaise. Non, je rigole. Non, bon, en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu, que vous aussi, vous allez faire des blagues. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de défis, ben, c'est le moment. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être faire d'autres blagues à Laura. Ça va être pas mal, quoi. Ça suffit. Oui, bon, d'accord. Si tu me fais plus ça, ça va. Bon, d'accord. Et si vous voulez aussi aller voir cette jeune fille qui fait des vidéos humour, beauté, et ben sa chaîne, c'est Kiou. Son lien, il sera en barre d'infos. Nous, on vous envoie des millions de gros bisous. Et si vous avez envie de continuer à suivre les folles aventures avec Marie, c'est le moment de cliquer par ici pour vous abonner. Voilà, par là. Ici, là. Voilà, il y a un carré. Ici, au centre. Et puis, on vous dit à très, très vite. Ciao, ciao. Salut. C'est vachement bon, ça.